5 minutes d'édification pour une étude perspicace des Écritures avec le berger Moïse Louchikou Bemel. Bonne méditation. Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans notre tranche d'édification de 5 minutes. Nous allons parler de quelques principes et quelques réalités de la délivrance. Parlons d'abord de quelques principes. Il s'agit de l'élection de David. David a été choisi par Dieu pour devenir roi. Et là, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 1er. Un verset riche en révélation. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Très cher bien-aimé, entrons d'abord dans le principe. Le principe de Dieu. David a été choisi pour devenir roi. On l'a oint. Mais sitôt, David n'est pas devenu roi. On l'a oint. Mais sitôt, il n'est pas monté au trône. Alors, à quoi servait cette onction? Attention, la Bible dit, l'onction brise le joug. Il avait fallu qu'un joug soit d'abord brisé pour que David devienne roi. La première onction, c'était une onction où on devait briser quelque chose en lui. C'était tellement prophétique. Imaginez-vous un roi, mais on le voit dans la maison de son père pour dire, il y a certaines bénédictions. Pour que nous puissions y accéder, il nous faut d'abord une délivrance par rapport à notre dépendance du sang, c'est-à-dire la dépendance de la famille. Voilà pourquoi David est loin dans la maison de son père. Parce que l'onction brise le joug, il faut d'abord, avant d'atteindre la promesse, la bénédiction, les combles de la grâce que Dieu a prévue pour nous. Parce qu'il dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous, non des malheurs, mais des bonheurs et de paix. Il y a certaines bénédictions qui attendent d'abord que les liens, les chaînes de notre famille puissent tomber. Parce que la Bible déclare que l'homme a pour ennemi le genre de sa propre maison. Voilà pourquoi l'onction doit d'abord descendre dans sa propre maison. Pour que David, qui était un berger, qu'il vienne, qu'il retourne d'abord dans la maison de son père, qu'on puisse le oindre là. Mais il ne va pas d'abord monter au trône. On le oint afin que les liens de sa famille puissent tomber. Ouvrons une parenthèse. Le principe de la délivrance consiste à ce que notre nature qui est dépendante de notre souche, la souche, c'est-à-dire le lien de la filiation, c'est le lien de sang. Nous avons certains liens qui sont dans le sang. Et comme ce sont les liens qui sont dans le sang, ce sont les liens de famille. Ces liens font que nous puissions devenir ce que nous faisons. Pourquoi? Nous avons certaines manies, certains caractères, certains comportements, certains défauts, tellement que ça fait partie de nous, au moyen de notre sang. Nous avons imité sans nous rendre compte. Ça s'appelle les liens inconscients. Nous imitons nos parents, nous imitons nos grands-parents, nous imitons nos arrière-grands-parents. Et ça s'appelle déjà le lien de sang. Comme ce sont les liens de sang, Dieu ne permettra pas que nous puissions atteindre certaines dimensions de peur qu'en étant au trône, que nous puissions faire l'abus du pouvoir. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font l'abus de la bénédiction. Pourquoi? Pour la bénédiction, ils l'auront. Prière sur le mariage, prière sur la richesse, prière sur le travail et autres. Mais vous allez vous rendre compte que Dieu peut donner à quelqu'un un mariage. Mais les liens de la famille n'ont pas été brisés. Vous allez voir quelqu'un qui entre dans un mariage et dans le mariage, il n'a pas une bonne éducation. Il n'a pas de bonnes mœurs, pas un bon comportement. On est capricieux dans les mariages. On est de mauvaise humeur à tout moment et le mariage se disloque. Il y a certaines bénédictions qui nous échappent comme ça. On est béni, on a un travail. Mais les liens de la famille nous suivent régulièrement. Et vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui reçoit un travail, mais qui n'a pas une bonne réputation, il ne sait pas bien collaborer avec les autres. Et les liens là vont les récupérer. Et ça s'appelle le lien des réclamations. La personne sera réclamée. Voilà pourquoi. Pour que David ne soit pas réclamé des liens de sa maison, le lien de sa famille, David a été d'abord, a été loin dans la maison de son père.
Mais il n'est pas loin pour directement monter au trône. Mais il est prévu qu'il devienne roi. On l'est loin d'abord pour que le joug de sa maison commence par tomber. Voilà le premier principe de la délivrance. On doit d'abord faire tomber les liens de sa propre famille. Voilà pourquoi David a été loin dans sa maison. Mais il n'est pas encore devenu roi. Parce qu'il devait d'abord passer par la première étape. Laquelle? L'étape où les liens de la maison doivent d'abord tomber. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans certaines bénédictions. Mais les liens de leur propre maison ne sont pas tombés. Or, la Bible dit, l'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. Attention, nous avons des liens. Les liens de sang qui doivent d'abord tomber au préalable. Et quand les liens vont tomber, nous serons déjà préparés pour passer à la deuxième étape qui suivra cette première partie. Soyez bénis et à très bientôt.